Donc là, il est 6h du matin. Ouais, j'ai la tête dans le cul. Et alors, vous êtes debout à 6h du matin, vous? Bon, alors là, je suis en train de chercher mon Audi. J'étais bourré hier soir. Voilà, voilà. Faites pas gaffe au mec par terre, c'est un mec de chez Taser. Petit demi-tour. Non, c'est pas dangereux, les gens me connaissent, ils savent que je sors de là tous les matins à la même heure, alors ils font gaffe, hein. Là par contre, ouais, y'a personne, on va se faire une petite pointe. Alors des fois, quand ça bouchonne, ce que je fais, c'est que je passe par le trottoir. Ah mais nous, les facteurs, on a le droit de rouler sur le trottoir, à cause des boîtes à lettres. Hein? Des accidents? Non, jamais. À part, tiens, Yorkshire et puis la princesse dans le tunnel. Non mais vous le couperez, ça? Allez, on passe par les quais. Ouais, j'aime bien passer par là. Ouais, surtout quand y'a... Paris plage. Moi on m'a dit si tu veux aller loin surtout tu restes bien à l'extrême gauche. Alors je roule à gauche. Revolution. Salut collègue. Alors comment ça va depuis hier? Hein? Mais ça fait 6 mois qu'on ne t'a pas vu. Ah, ferme ta gueule et la télé, les cons. Oh putain la boulette. T'es toujours préposé au Minitel? Ah mais c'est fini maintenant, il y a internet. Et Kiki ton chien il va bien? Hein? Mais ça fait longtemps qu'il est mort Kiki. Ah ouais, alors là, attention, hein, faire button. À partir de là, c'est une zone secrète, Area 51, comme le pastis. Vous pouvez pas rentrer, ça serait traumatisant pour vous. Mais pourquoi tant de mystère, Olivier? Ah bah non, mais je sais pas, on est timide. On veut pas qu'on nous regarde et puis c'est tout. Et puis de toute façon, vous verrez rien, hein. Ça va trop vite. L'œil humain est pas assez rapide pour nous voir travailler. Allez. Ouais, juste par la fenêtre, alors. Tiens, vous voyez le gros avec la barbe, là, c'est César. Le barbu en blanc. Il va jeter un truc, là. Attends, il cherche un endroit où jeter le truc. Il cherche, il a trouvé, voilà. Et grâce à ce geste anodin, ce truc va arriver quelque part. Bon, peut-être pas au bon endroit, mais il va arriver. Et ça, le monde entier nous l'envie. C'est la poste. Voilà, bon, tout à l'heure. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Oh, enculé. Elle a muselière, là. Bah, il est pas méchant, le chien. Tiens, vous le gardez pour vous, mais je vais vous faire voir ce que je fais quand je m'emmerde. Je fous l'anarchie dans les boîtes à lettres. Ah, faut nous expliquer ça. Et puis je mélange les lettres. Celle pour les avocats, je les mets pour les dentistes. Celle pour les dentistes, je les mets pour les notaires. De toute façon, dans les cités, les pauvres, ils ont plus de boîtes à lettres. Alors comme ça, tout le monde est pareil. Puis les gens, ils aiment bien lire le courrier du voisin. Ça crée des liens, ça permet de se connaître. Alors, la Rochefoucauld, poubelle. De l'Atte de Tassigny. Moi, je vais le mettre là, hein, on s'en bat. De toute façon, vous inquiétez pas, ils se connaissent tous. Brande de Chantrac, bah tiens, je vais le mettre là, il sera bien là-haut. Hein. Ah, bah, si, oui. Charbonnier. Ah, bah, Charbonnier, par contre, c'est du prolo. Ça, c'est chez nous, ça, je le mets dans la bonne boîte. Non mais c'est quoi cette moustache dans le quartier là? Non, je veux plus voir ça demain, hein. Non mais ça devient n'importe quoi Neuilly là. Eh oui, chute à l'arrière du peloton, chute alors que nous traversons la petite commune de Saint-Rémy les Chevreuses, chute à Patrick de Pestina. Ah mais ferme ta gueule, qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais Robert? Eh vas-y viens, on va voir les travelots au bois de Boulogne, on va rigoler. Allez.